Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et on va continuer à parler de l'édition Spirale Temporelle remasterisée. C'est l'édition qui est sortie au mois de mars et donc on va dans cette vidéo parler des cartes rouges, aller du deck rouge. On va faire le tour un petit peu des cartes qui peuvent se trouver dans cette édition et voir un petit peu les forces et faiblesses de ces cartes. On va aller en gros, on va pas rentrer non plus dans les détails, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Allez, c'est parti. Akroma, Ange de la Fureur, qui a un coût de 8 terrains, 6-6. Elle a vol, piétinement, protection contre le blanc et contre le bleu. Ok, et pour un terrain en plus, vous gagnez, elle gagne 1-0 jusqu'à la fin du tour. Après, vous pouvez aussi... ce sort ne peut pas être contrecarré. Elle peut aussi faire une mue pour 6 terrains. Bon. Ok, allez, on va continuer à la suite. Ancienne Rancœur, 2, coup de 2. Détruisez un artefact ciblé. Et il y a un flashback vert, avec un terrain vert. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback. Exilez-la ensuite. Lame d'Arc, 5. Elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Ensuite, exilez la lame d'Arc avec 3 marqueurs temps sur elle. Après, il y a une option suspension. Gargouille de Basalte, coup de 3, 3-2, vol. Elle est pas mal celle-là. Et en plus, elle a un écho qui coûte 3 terrains. Et pour un terrain, la gargouille de Basalte gagne 0 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est pas mal en défense de faire ce petit truc si vous avez un terrain supplémentaire. Slivoïde, Bélier, 6, 4, 4. Toutes les créatures Slivoïdes ont le piétinement. Donc elle va avec entraîner toutes les créatures Slivoïdes à avoir le piétinement. Donc c'est pas mal si vous avez d'autres Slivoïdes sur le. Sur le tapis, ça peut être vraiment intéressant. Allez, on continue. Alors, Slivoïd, Saint de Hausse. Encore un Slivoïd qui a un coup de 4. Là, on a la version foil. Alors, toutes les créatures Slivoïd gagnent plus 2 et plus 0. Elle a 2-2. Ouais, c'est pas mal. Bon, elle coûte 4 quand même. Hein. Voilà, c'est la version normale. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On a Boom Crack. Détruisez un terrain. Ciblé que vous contrôlez, un terrain ciblé que vous ne contrôlez pas, détruisez tous les terrains. Pour 6, ou pour 2, pour 6, si vous détruisez tous les terrains, vous détruisez l'adversaire, là. À voir. Force brute, elle a un coup de 1, une créature ciblée gagne plus 3 jusqu'à la fin du tour. Ouais, ok. Mais après, c'est une fois, après, c'est plus, donc je sais pas si c'est intéressant. Grondeur de charbon, elle a un coup de 4 terrains, dont 2 rouges. Elle a moins 1 en attaque, qu'est-ce que c'est que ça? Double initiative, et un terrain de plus, le grondeur de charbon gagne plus 1-0 jusqu'à la fin du tour. Moins 1, 3, c'est bizarre. Bon, chauffeur de charbon, elle a un coup de 4, 3-3. Quand il arrive sur le terrain, si vous avez lancé depuis votre main, ajoutez 3 terrains. Ah, ok. Ok. Donc elle coûte 4, mais vous récupérez 3 terrains aussi. Non, vous payez 3 terrains de plus. Bon, allez, hop, j'ai pas trop compris, mais ça me paraît pas intéressant. Conflagration. Alors elle inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Donc elle va coûter. Elle peut coûter cher. Flashback. 2 terrains, défoussez-vous de ton X carte. Mort enterré. Alors, mort pour un terrain, inflige 2 blessures à une créature ciblée. Enterré, envoyez une créature ciblée que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire pour 3 terrains. Ouais. Ouais, c'est pas mal ces petits choix de comme ça au choix. C'est pas mal. Évacuation des terriers, elle a un coup de 4. Créer 2 jetons de créature 1-1 rouge gobelin. C'est cher pour seulement 2 jetons. Cavrou, gueule de feu, 6, 4, 2, écho, après sinon, quand le cavrou arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à une créature ciblée. Et quand il quitte le champ de bataille, il inflige 4 blessures à une créature ciblée, ok. Après, il a que 4, 2, donc il va se faire dégommer tout de suite, je sais pas si c'est une carte super intéressante. Sivoïde furieux, 6, 3, 3, toutes les créatures sivoïdes ont la double initiative. C'est à voir pour les combinaisons. Pillard Gatan, 5, 3, 3. 5 terrains, il faut donc 3 d'attaque, 3 de vie, ou de défense plutôt. Les pillards acharnement, les pillards gâtants gagnent de 2 jusqu'à ce que vous n'ayez pas de carte en main. Bon, mitraille.
Coup de 2. La mitraille inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ouais. Grand Gargadon. 10. Elle a un coup de 10. 9, 7. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? 10, c'est pas souvent qu'on arrive jusque-là. Suspension 10 plus un terrain. Sacrifier un artefact, une créature ou un terrain. Retire un marqueur temps du grand pas. Gargadon. D'activer cette capacité que si le grand Gargadon est en suspension. Bon, ok. Je sais pas si vous, vous arriverez à la jouer un jour. Inus Grimaçant 3 de 2. Un terrain ajouté. Renvoyer Inus Grimaçant dans la main de son propriétaire. Ajouter. Bon, laisse tomber. Brume de rage. Elle a un coup de 2. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Faut pas le coup pour si peu. Ça prend la place d'une carte. Malheureusement, donc il vaut mieux peut-être pas l'avoir. Suppôfiez-le du corps. 4 terrains, 3-2. Elle a célérité. C'est pas mal ça. Mais elle coûte cher. Elle joue. Ouais. Elle coûte cher. Bon, elle coûte un peu cher. Slivoï chercheur. Coûte 3. Terrain de 2, chaque carte de Slivoïde dans la main de chaque joueur a recyclage de Slivoïde. Jaya Balar, mage de force. Elle coûte 3 terrains, elle a 2-2. Alors pour un terrain, défaussez-vous d'une carte, détruisez un permanent bleu ciblé. Ah ouais, quand même. Ok. Pour 2, défaussez-vous d'une carte. Et puis ensuite, Jaya Baya, mage de force, inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Une créature ayant subi des blessures de cette manière ne peut pas être régénérée ce tour-ci. C'est pas mal du tout. Elle est géniale, cette carte. Parce que vous attaquez pas avec elle. Vous l'engagez, et pour 2 terrains le tour d'après, vous pourrez infliger 3 blessures à un serviteur adverse. C'est pas mal du tout. Vous n'avez pas besoin d'attaquer. Puis alors pour 7 terrains, elle est monstrueuse. Celle-là, elle est vraiment bien. Ok, elle est sympa. Albardiekeld, 5-4-1. Initiative, suspension 4. Bon, on laisse tomber. Hache d'éclair, elle coûte 1. En tant que coup supplémentaire, vous pouvez, pour lancer ce sort, défaussez-vous d'une carte ou payez 5. La hache d'éclair inflige 5 blessures à une créature ciblée. C'est plutôt intéressant. Mage de la lune. 3, 2-2. Les terrains non-bas sont des montagnes. Bon, il n'y a pas de... Ouais, bof. Maréchal de guerre Mog. Elle coûte 2 terrains, 1-1. Elle a option écho. Et sinon, quand le maréchal de guerre Mog arrive sur le champ de bataille ou meurt, créez un jeton 1-1, créature rouge gobelin. Bon. Araignée d'aiguilles rocheuses. 4. Portée, à la portée. Ça, c'est pas mal, parce que vous pouvez bloquer les créatures qu'on vole. Donc, c'est important que vous ayez des créatures, surtout, il y a quand même beaucoup de créatures, beaucoup de serviteurs avec vol dans beaucoup de decks, donc c'est important que vous ayez cette possibilité en plus, si vous n'avez pas trop de créatures avec vol. Portée, c'est pas mal du tout. Ça peut les bloquer aussi. Canonade, orc. Elle a un coup de 3. Elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, et vous inflige 3 blessures. Piochez une carte. Pacte du Titan. 0. Créez un jeton de créature 4-4 rouge géant et au début de votre entretien, payez 4 d'accord, terrain. Si vous ne faites pas ça, vous perdez la partie. Bon, c'est du kit ou double, donc faut faire attention. Ok, vous ne pouvez pas la jouer tout de suite, il faut la jouer à partir du tour du moment où vous avez 4 terrains. Attention, hein. Pyromancien Sibarite, elle a un coup de 3 terrains 1-1, et ensuite vous pouvez l'engager. Le pyromancien Sibarite inflige une blessure à n'importe quelle cible. Celle-là, elle est pas mal, elle est complémentaire avec la rare de tout à l'heure, et donc en fait vous n'êtes pas obligé d'attaquer avec, il faut surtout pas, mais vous pouvez l'utiliser pour infliger un point de blessure à une cible. Donc effectivement, ça devient vraiment intéressant. Guivre téméraire, elle coûte de 5, et là, comme vous pouvez le voir, alors elle peut faire piétinement. Elle a 4-4. Donc 4 d'attaque, 4 de défense. Elle a piétinement. Allez, on continue. Réitération. Elle a un coup de 3 terrains. Et rappel, vous pouvez payer 3 supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, mettez cette carte dans votre main au moment où il se résout. Ok. Copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Crible d'éclair. Coup de 5, choisissez n'importe quelle cible, regard 3, puis révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Le crible d'éclair inflige à cette cible permanente ou joueur un nombre de blessures égal au coût converti de mana de cette carte.
Éclair de faille, coup de 3. L'éclair de faille inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. Ok, c'est pas mal. Élémental des failles, coup de 1, 1, 1. Et ensuite, pour 2 terrains, retirez un marqueur temps d'une permanente. D'un permanent que vous contrôlez ou l'une ou d'une carte en suspension que vous possédez et gagne 2-0 jusqu'à la fin du tour. Ok. Alors là, double capacité accidentée mouvementée. Accidentée, ça coûte 2 terrains, inflige 2 blessures à chaque créature dans le, sans le vol. Ah oui, si nous en vol, vous pouvez pas. Mouvementée 6, il inflige 6 blessures à chaque créature avec le vol par contre. Ah, ça c'est d'accord. Mais oui, mais alors si vous avez des créatures entre. Ok. Ouais, bon, ça c'est. Ouais. Allez, Slivoïde délèche, 3, 2, 2. Toutes les créatures Slivoïde ont. Cette créature gagne 1 tant que vous contrôlez au moins un marais. Ah, ok. C'est pas très français comme ils l'ont dit, mais. Bon. 5 météores chivants. Il inflige 13 blessures à une créature ciblée. Mais c'est énorme. Alors, je pense que on peut infliger des blessures qu'à une créature, mais on peut pas infliger à un adversaire. Parce que là, un truc pareil, ça achève un combat pour 5 uniquement. Oh là là. Mage des sables chivants. Coup de 3, 4, pardon, 3, 2. Et vous avez deux choix quand il arrive sur le champ de bataille. Soit vous retirez deux marqueurs temps d'un permanent ciblé ou d'une carte en suspension ciblée. Soit vous mettez deux marqueurs temps sur un permanent ciblé avec un marqueur temps sur lui ou sur une carte en suspension ciblée. Guide spirituel simiesque, coup de 3, 2, 2. Exilez le guide spirituel simiesque depuis votre main, ajoutez un terrain. Chaman scorquin, 3, 2, 2. Le chaman scorquin ne peut pas être bloqué, excepté par des créatures artefacts ou des créatures rouges. Ah ok, bon, il y a 2, 2. C'est pas mal quand même ça. Gobelin au fouet de méduse, coup de 2, 2, 2. Ça veut dire qu'elle n'est pas très chère. Et au début de votre entretien, si ce permanent est basé sous votre contrôle, depuis le début de vos derniers entretiens, sacrifiez-le et à moins que vous ne payiez son coup d'écho. Ok, bon, quand il arrive au fouet, le gobelin au fouet de méduse arrive sur le champ de bataille, renvoyez une créature ciblée d'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Bon, la version foil et la version. Voilà. Normal. Entité d'orage, coup de 2. Elle a célérité, elle a 1-1. Ah, elle arrive sur le champ de bataille avec sur elle un marqueur 1-1 pour chaque autre sort lancé ce tour-ci. Si vous avez déjà lancé un sort, vous mettez cette carte et elle arrivera, elle aura pas 1, elle aura 1-1 plus un marqueur 1-1. Choc soudain, coup de 2. Fraction de seconde. Tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Et donc le choc soudain inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Élémental de souffle, coup de 3. 3-2 à la flash. Les créatures blanches gagnent plus 1, moins 1. Ah, contre un deck blanc, ça peut être intéressant. Gobelin à la peau dure, coup de 2. Et elle a 2-1. Et si vous rajoutez un terrain, il est acquis à la protection contre le rouge jusqu'à la fin du tour. Ok. Slivoïde à deux têtes, coup de 2, 1-1. Toutes les créatures Slivoïdes ont la menace. Eh, c'est pas mal parce qu'elle peut être bloquée quand une créature a la menace. Si vous en avez plusieurs, il faut qu'elle soit bloquée par deux créatures, sinon elle ne peut pas être bloquée. Donc effectivement, si vous en avez trois et que l'adversaire en a trois, il ne pourra pas tout vous bloquer. Ça, c'est pas mal. Voilà, bon bah les amis, c'était la dernière carte que je pouvais vous présenter sur le deck rouge de cette édition, Time Spiral remasterisée. Donc bah, je vais enchaîner, et puis je vais continuer mes petites vidéos individuelles par couleur. Et puis, bah, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.